Salut, Nico! On m'a dit que tu viens scapezerie. Ah, qui d'eau? Moustache, à second près, elle est dans les... Non, mais il n'y a fait de pareil. Il y a fait, et à qui tout comme monsieur? Qu'est-ce que tu veux? Il faut pas se mettre à la mode, hein? Que l'homme sera le monde. Couper plusieurs mains des noms et d'ornements qu'a résisteur le moche et trappe courageusement vers le tabac à 24 ans. Ah. Il faut que note que c'est un ornement qui demande une mode de ruse. Ah. On le dodine comme les enfants. Au matin, il faut l'incosmétiquer. Vous passez tout ce temps à le poupiner en accent circonfesse et à piquer du fixateur pas de souci pour l'empêcher d'accueillir un guidon de course. Mais comme mets une miette de bière dessus le puits et tu m'en fais striquer comme un chien du casin. Et tu m'as pas peine dit dans mon visage comme un casin. Il vaut mieux avoir un visage comme un casin que d'avoir un visage comme un cul. Hein. Dis donc, il a coupé le sien de mois passé. Ouais. Il a bien s'il est ça. Bon. Au commencement d'un dîner, là, on m'a dit qu'il allait avoir les yeux feux. Bon, après, on s'y fait. Ah, yes, femme, on s'y fait tout ça. Es-tu pas seul, là? Dans les moyennes baisses, c'est comme aller embrasser par Ebebe Cardon. Il faut que moi, quand d'abord, on y ait l'intention de couper à l'or du premier coup. Ouais. Pour leur allayer un petit morceau à la charlot, histoire de m'habituer. Ah, oh, mais t'as l'os de brosse. En tout cas, et vos conseils, hein. Les moustaches comme là, hein. Et occupe-toi de mes cheveux. Ah, oh, merci. Et quand t'oublies de remonter et de manivelle, ouais. Elle voit des chaînes. Ouais.
Ça n'a pas de cabasser la chair. Quand tu parles de ton bon la folie de grandeur comme t'es pour voir tourner à l'air d'un tour à poil. Eh, la vérité, c'est plus des retardataires. Ouais. Tout ce que nous vions, t'es compte. Pas précis. Ah, non, elle prouve que le goût te compte. Je suis fou. Advent, hein, quand avec l'autre compte, vieux bon tinanti, j'ai eu vos culs. Quand on se marie, on se comme si on a raconté la princesse. Donc, t'as dit que tout voulu. Quand la roue au bas, on va y écouter quand on est comme dans ce Charleston. On est aperçu d'un marchandise. Ça veut dire que tu n'avais plus nos mains. Pourquoi donc? Elle vaut la roue de la côte. Mieux que ça. Elles ne vont plus à mettre du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Elles t'énervent mieux. Elles vont mettre des marrons dans le plage. D'ailleurs, on a déjà fait quand comme là-dessus. Ouais. Elle avait mis son smoking pour aller au dancing. Ah ben bon. Elle dit qu'il faut qu'on vite en fait pareil à 1926. Oh, mais sans donner des nouvions. Si tu te souviens, en 1910, ouais. Elle a déjà mis des jupes culottes. Elle a mis des félisères pour être le mot. Et elle constate que ce qu'on vit de devant. Ben, ravi d'ailleurs tout dans la tour de tir. Tu seras fixé. Un prix de marchandise. Tu te rends compte, c'est comme ça qu'il faut être vide. Qu'est-ce qu'on peut dire au but? Oh, on a le verre en verre entre vos pupilles contents de s'être apparus, là, si ça continue. Elle va t'en dire un autre que ça. Oui. Elle s'est même passée. Oui. Et je t'ai fait tout sur le Ducat avec Jambo de me tuer. Si tu dis donc que tu n'es pas eu la trêve à le barat, à moins de 20 choses à dire. Oh, mais qui dit donc, on s'en guère au pion, elle va nous en chambre. Ah, ouais. À propos, t'as vu, cette cadette, est-ce là qui veut traverser l'Atlantique en aéroplane? Non, ben bon, pas de soucis. Un pari mieux que ça peut une Amérique. T'as vu, ben, comment est-ce que tu le sais? Oh. Ça m'a mis compliqué à comprendre. Chaque coup qu'on met 20 une couille, Mito, c'est tout bien en Amérique que ça se passe. Oh, ben, je vous dis, Seigneur, couille, c'est même été nommé Lindbergh. Oh, souci, là. C'est de couille que bande de secours, qu'on dit un aéroplan dans un officier au mal. Et un bon grand-père, c'est qu'il n'a pas vu au front à l'Ichette. Il entend pas dire pour le mettre biche pour le cul pour l'y lancer. Ah, ça. Et il y a le sang, a eu vendu dans les quais. À la mer, avec une louche de temps. Oh, Dieu, mon Dieu. Oh, qui fait? Oh, on sait le qui pique un visage comme un plis qui vient. Et il pleut coup. Ah, ça, madame. Quand on se pourmane pendant 20 ans avec les matelas sur ce qu'il y a, et du tout au lendemain, on ne l'est même plus une petite miette dorée d'un chevaux. C'est ton sale différent, ça veut. Bah, c'est déjà la fille. T'oublies que t'es coiffure et il y a peut-être plus mieux de voir. C'est d'aller au droit du progrès. Oh, permettez-moi, madame, mais quand on découvre une femme, elle a un chignon comme un café au boule. Ah. Et quand c'est se ça se fait d'aller de campagne dans le dos. D'ailleurs, je me demande si tu es subitement empêché d'avoir deux mots. Et il faut d'autres couleurs que leur conduise uniquement pour le progrès. Oh, rien à faire. Rien à faire? Oui. Mais on vous demande mieux vous la fille à vous autres. Oui. Vous n'avez tout de même qu'une prétention d'empêcher le monde de tourner. Non? De tourner en tête. Malheureusement, en tout cas, mais toujours. Dès que près d'une femme, que si elle a malheur de couper le chignon, ça peut la peine de rentrer en nous maison, ça en a l'air de tout chevron, hein? Comment est-ce donc? Elle vient justement de le rencontrer, vous faites. Elle lui dit elle m'a dit plus rouge qu'un coup. Bon. Il paraît qu'il n'a pas qu'à aller seul que le toit comme ça qu'est. Tous les papillons sont un peu trop petits pour lui. Ouais. Elle m'a même dit, si les nouveaux papillons ne voient plus si les anciens ne tiennent, elle m'a fait couper mes cheveux. Ah, elle vous l'avez mis ça. Oh, mais c'est plus. Vous n'avez plus l'honneur en tête. Les burins ne prétendent pas qu'à Augustin, le spécialiste de l'ondulation Marcel. Je crois qu'il a commis chignon qui va sauter dans l'air. Oh, hein, parce que t'as l'air qu'il va voir. Si Gustave a pas l'air de les couper chignon, allez, ça te tient. Alors, que ça se passe. Oh, mais il va aller avec lui. On a retenu le progrès. Mais quand il en va voir ma monsieur. Ben, il te rendra ce soir, une vraie mieux. Mais tu n'en as pas vu qu'il va faire avec. Rien du tout. Si on a beaucoup un tiède
pas envie de colle, après. Hé, hé, tu dis ça? Ben, attends, le mot passera que celui qui t'aime, Dieu. Ah, parce que c'est une fille. Oui, simplement que nous écoutons, c'est tout. Mais tu te connais pas, moi? Un homme qui refuse de conduire une machine parlante contre une TSF, ma fille, elle est prête à tout, hein? Mais il y a vite ta vie qui fera comme elle, ça. Quand il verra se faire retourner de Pétain, c'est lui-même qui verra me féliciter de lui avoir donné un bon conseil. Ah! Parce que c'était comme une cuite sur le feu, hein, le conseillant? Tu fais tout de même, mais qu'elle a retrouvé sa fortune, non? Amélie, te demande qu'est-ce que tu donnais une femme comme ça, ça? C'est toute raison, il y a des vaccinions. Alors, ce que je lui, elle fait des ordres, hein? Si, t'as pu suivre avec un riboulé. Riboulé? Ben oui, es-tu le feu? Ah oui, ah oui, que très bien. T'es même fait une prière pour qu'il brûle au cul. Pour que? Un seul plus que? Ben, pas différente que la suivante. Trois cours par semaine. Tu pratiques sans prévoir mal. Et entre les deux, de nous, il y a du macaroni. Faites-moi tourner, on fait de croche-mie. Blinken, c'est grâce à lui que tu vas trouver une ligne. Mais ce n'est plus rien que tu vas retrouver. Revise ta pile et tout aussi. Il danse ce point avec deux comme mille verres. Mais si ça continue, tu vas m'envoler, hein. Mais tu n'auras qu'à tracer ni à casquette. Oh. Est-ce que tu as des pays violés? Est-ce songe? Que de ce temps en train de manger une grillade de veau avec des salades et une montagne de frites comme était. Et puis tout est marron cher, que tu l'aies dans les décalés comme de cordiaux d'escanton. Amélie, parce que tu m'en fais de péto. Tu te voudras tout de même mieux que de ce qui est ici, mais tu n'as pas les décalés. L'ordre, pas comme mieux ce qui est comme de ce tomac. Si tu fais de péto, tu n'as pas de péto. C'est ça! C'est comme elle pouvait! Elle doit le faire lui-même parce que tu devenais attrapé des cloquettes! Et elle, les cuits! Il faut lui-même elle t'astiquer parce que tu devenais attrapé des gavures! Oh! T'as des conversations, non? Oui! Aux huit par exemple! Mais quand tu te vois arriver vers le lit avec le pyjama et puis les citrons, elle te fait que tu avec les mascaras! Hein? Et quand? Quand vous faites payer, mais... Ça te rend plus crème, Simon. Ça, c'est bien les hommes, hein. On fait tout pour le faire honneur et il se plaît de ta cause. Madame, me plaignez parce que tu me fais honneur. Elle me plaigne parce que tu te fais honte. Tu me fais honte? Ah oui, tu fais ce que tu en veux. Quand nous avons suivi Théo, ça ne pas plus en plus. Tu n'en as vu, c'est des garçons, quand ils t'ont vu arriver avec tes grands tralala. Et elle dit avec les par-dessus qu'on a reçu sur une dame porte. Pour puis, mon truc, vous voyez qu'un peu de pagne. Je me demande même comment que ça se fait que t'as osé lui dire que de ce temps-là, non. Bon, donne-le, j'ai mieux dit. T'as dit que t'es non. Attends, il a marqué ce neveu à l'estation. Et il a fait bon vent, j'avais dit, à l'estaminet. Hé, hey, tu t'en as bouché à vie. Il n'a qu'à prêter une boule de riz et ça nous a piqué sur le visage. Il a pris un grain de beauté. Bonjour. Ah bonjour, c'est un truc qui est resté. Ça vous dérange? Oh oui. Non. Seigneur, vous qui me dérange, c'est une dizaine de femmes. Mon appétit, vos masques. Vérité comme canne à l'horloge, hein. Bonjour, madame Amélie. Monsieur Victor, vous avez l'air content, hein? Ah, faites de l'attention. Est-ce que un homme qu'on fait prendre sa quête, les bouillards de vin? Et vos conseils, elle vous marie jamais. Est-ce les conseils que tout le monde donne, mais personne ne le suit? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Au père, tout dit qu'on sera mieux que ça. C'est mal, le résultat, c'est tout dit mal. Bon, une petite brouille de tes infâmes, ça n'est rien mauvais. Hein? On s'en remet, et on se voit qu'on plus votre diable. Vous ne parlez pas d'esprit? Oh non, madame Amélie. Oh, vous en êtes tout de même vieux et amoureux, hein? Non, madame Amélie. Vous avez plus de vie. Oh, madame Amélie! Oh, mais il n'a rien de trop là, ça. Mais en vous d'ange, faites d'avocate. Et ce monsieur Victor que vous avez choisi. Oh non, lui, c'est le cinquième. Il ne savait mieux dans l'air, c'est lui quand il lui dit. Ah, ben,
plus. Vous devez l'avoir donné à un gaillard qui ne s'est doute même mieux. Je... Êtes-vous sûr qu'emporter pour vous pour le s'arrêter? Déjà? Mais vous l'avez seulement eu hier, emporté. On va lui mettre passer le soirée à ouvrir le suivier. Mon... Et vous l'avez juste au bal? Mon enfant, c'est beaucoup pourtant. Enfant, oui, mais plutôt maintenant. Oh, vous en avez pas, hein? Mmh. On vient justement d'admettre une nouvelle dame. Alchimique, ça s'appelle. On se met à force de se cavalier, on se tasse ses bras assis, et on s'excuse comme des autres pour grand-père. Ça me fait passer qu'il pourra raccourcir mes soutiens. Je vais vous donner le cœur de vous étonner pour le faire apporter le dit qui vient. Où est venu au fils de la nuit? Le fils de la nuit? Mais oui, elle filme ma majesté. Vous ne l'avez mieux vu? Non. Il a volé une jeune fille qui est amoureuse des bandits qui me de tout même. Et à chaque fois qu'elle est prête à lui dire, c'est la suite la semaine prochaine. Il n'a pas qu'on dise, il y a mes cuisants qu'il a fini par le savoir. Et demain, elle doit lui attraper une crise de nez. Et quand il l'a solu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Eh bien, il n'a plus de grandir. Elle est vide, n'a plus de jeune fille. Mais attendu, elle fume ce comme dans les romans, ça s'arrête tout de suite. La couronne, madame Amélie. Elle crée à ce courche 2 centimètres comme vous me l'avez demandé, hein? 2 centimètres? Mais c'est 5 centimètres qu'elle vous a demandé. Non, mais on vit dans les comédies nous de cette fille. Oh, mais excusez-moi, on m'a risqué des laissons. Au fils de la nuit. Mais je vous arranger ça tout de suite et vous le rapporterez tout à l'heure, vous savez? Non, il n'a rien qui presse. Un petit clé. Vous savez bien que je suis comme une maman pour vous. Plutôt comme une grande sœur, hein, et que vous pouvez avoir quelques amis. Ben oui, madame Amélie. Alors, assisez-vous. Si vous me confiez une petite minelette, vous discrète, hein, tu sais que ça vous soulage, quoi. Mais madame Amélie, vous jure. Chut! Et tu reviens, hein, pour dans le pays, monsieur. Hein? J'ai le coup noir. C'est des garçons de Parsi. Il lui fait se couper ses cheveux doux. Ah ben non, naturellement, parce que si c'est ainsi, vous me verrez mieux tout d'une lundi quand il n'y a personne. Mais, attendez, vous. Il y a un qui nous aime mieux le lundi et qui vient tout d'une douce. Il faut aller, Théo! C'est Théo! Vous ne le direz mieux. Ah non, mais ne le direz mieux. Vous ne le direz mieux non plus. Personne ne le dira. C'est Scrue, on va voir début de vous le raconter plus tard à cette première femme. Vous riez, madame Amélie. Bah, d'un amourette, il vaut mieux un rire. Parce que d'esprit mieux comme ça, il faut qu'un amourette. J'ai bien peur que nous. On vous dans le mieux dire que c'est un grand amour. Malheureusement, c'est. Thank you.
vu le temps passer à la journée fille, et qu'au moins il y en a celle d'être partie. Elle m'a dit, ma gueulée, ce que vous commis, lui est dans la queue. Ah ben c'était le fameux cadeau que vous lui avez envoyé. Mais il est capable de lui faire des crôles. En tout cas, il vaut mieux nos chers. Oh, un amour, il ne faut jamais nos chers. Si d'avoir nos chers quand Victor fréquente avec grande Denise, vous ne l'avez jamais marié. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Eh bien, il vous faut attaquer. Il vous faut vous respecter. Oui, mais tu te manquais bien, mais quand même. Mais un attaquant. Napoléon a dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce que doit souligner Napoléon. Ah ben, heureusement pour vous, hein. Parce que, comme est-ce que Napoléon, vous n'aurez jamais fréquenté à Belize, ça veut. Mais t'es si content devant moi, madame Amélie. Puisque je n'aime pas fort 5 minutes par semaine. Bonjour, au revoir. Et elle toi garde tout le temps, hein. Il ne me laisse pas venir ce qu'il vous reste. Si c'est le temps qui vous manque, ça peut s'arrêter. Elle vous invite à venir. Oh, madame Amélie, vous êtes l'ange gardien, hein. Elle fera n'importe que pour vous. N'importe que? Eh bien, d'abord, elle vous aide à cuisiner, pelle les bétons. Mais dans ce temps-là, elle m'a réprimé le fils de la nuit et le sport que le menu est vendu. Il est bien pour lui, belle sang. Tant qu'il n'a rien de fille,
Il vaut mieux qu'on interdise mieux. Oui, oui, je comprends. Ça est drôle. Ben, qu'est-ce qu'il a de drôle? N'est rien. De faire ça autant que vous aurez voulu devenir éclaireur comme du Palombine ou détective comme Nick Carter. Même que vous aurez voulu avoir qui est plus Chicago à le mettre dans la revue. Parce que on ne s'en peut plus faire l'une sans l'autre. Et vous me racontez tout. Ma boîte que ça a tout, vous l'avez oublié. Vous m'avez tout de même mieux de si courte mémoire que ça. Une chanapée que vous voyez quoi avec vos cheveux de Parisien. Ayez vous, avec vos petits bras du nord sur vos nœuds et à vous l'eau qu'elle presse. C'est une peu autant. Eh oui. Après l'école, t'as le coyote du lilas à la gardienne du Quiré. Passant qu'au trop de l'or, là. Il n'a plus maintenant. Il n'a plus trop d'or. Ah, si fait, elle trop, il a tout dit là, mais il n'a plus de lilas. Ah, bon. Et eux, n'est plus près de Gilda non plus. Ben, ça fait, mais quand même, mais vous êtes qui? Ben, des frottes de visage à la première rosée du mois de mai. Oh, mais ce que je vais te promettre, ça! À l'Institut, il a maintenant les produits qui pourront. Vous n'avez rien quelquefois les produits pour ça qui est la buque des yeux. Ben, pourquoi est-ce que vous dites ça? Pour rien! À propos, est-ce que vous savez des invitations de mariés? Ça nous fait. Ma félicitation, il y a avec qui? Avec une grosse biette! Pas clair, avec une claire! Tiens, vous vous rappelez non tout maintenant? Ah, vous décidez même, vous faites des progrès, hein? Mais je me rappelle même du jour où le petit Giré vous fait des compliments. Ben dehors, t'as fait un drôle, j'épouse dans le rétrocement du grand coq de la maison Baltazar. Appuyez, respondu, vous lui direz demain! Il y a de ce si heureux que d'un poulet de trottinette, il y a des filets comme les fureux. D'avoir été de vitesse, de Saint-Hilvert sur une visage, de crier à tous les gens qui se trouvaient tous sur le passage. Elle a répondu de même, elle a répondu de même. Ah, Claire, un petit Claire. Théo! Ah, mais qu'est-ce que vous l'avez aux cheveux? Avec du savon noir. Elle vous rapportait, nous vions Jean-Fouin. Non, merci. Allez tout maintenant, si vous voulez. Elle voulait un coup de jardin, mais elle m'a donné qu'on m'a mis en fumant. Bon, là, mais qu'est-ce que des coffres qui te font le mieux? Elle m'a en occurrence ou vous n'avez rien fait qu'il faut l'eau. Parce qu'il faut l'eau qu'elle fait, c'est un sac. Ça y est, t'es compris. Avec le seigneur d'Amange. Bonte, innocente dessus. Elle vous a ce coup de vieux tranquillement parler de nos souvenirs d'enfance. Ça y est, demeure là sans rien, ce que vous voulez. Il faut avouer que vous ne saignez plus deux, hein? Claire. Un petit plaisir. Ça vous procure le même plaisir? Oh, c'est le plus cher plaisir, Théo. Ah ben d'abord, si c'est ainsi, hein, elle m'a pas vous le montrer tout de suite. Mais vous allez vous montrer que... Mais c'est là, vous êtes des vous blâmes, Philippe. Mais si fait, vous êtes méchante, et c'est tout naturel, hein. Quand vous me rappelez que vous disons tout de même temps, t'as revu à deviner tout de suite, hein. Mais ça me fait mieux, hein, vous allez être le premier à le savoir. Même... Avant pas. Mais veuillez être une première à savoir que... Claire, un vieux déventé, l'ondulation naturelle et permanente. Qu'est-ce que c'est que ça? Et genre de picoutis électrique qui fait des crolles qui ne se désouettent plus, même quand on met du au-dessus. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter? La gloire et la pétante? La gloire et la fortune, oui. Ben, la ça qui compte, tu t'es. Ayez l'amour. L'amour, ça vient après. Ben, quand on est riche, on ne peut pas tout dévoltier. Mais le principal, c'est de n'y être humain, d'être vu, voltier. Mais de vivre, voltier, de sourd. Mais de virer, voltier, tout pour que mieux. À condition qu'elle me baille comme une investiture. Une coiffeuse, que. Surtout mieux ça. Quand on fait le même investiture, ça ne va jamais. Ben. Herbenot a les affaires civiles. Ah oui, c'est ça, Herbenot. Vous disiez donc que vous n'allez faire des crolles qui se destrouvent. Mais dites tout. Ça ne va pas faire vu de coiffure, ça. Bien du contraire. Il est à vos 50 plus d'ouvrage que de vin. Tout le monde vous ramène à des frisons. Ben, il vous rappelle qu'il est à vous comme vous dans l'eau médecine. Malheureusement. Ah, elle voit qu'il a aimé. Et dans même deux. Elle pourrait mieux, c'est qu'il me faut retrouver une saki pour lancer le nouveau système et elle fait adopter. Ben, si vous voulez, elle serait une première
ça a vu, hein. On sera capable de vous demander si vous avez donné un écrivain à vos familles. Je me comprends, hein? Allez, je vais vous donner un exemple. Admettons qu'un d'Aloise nous branche et ce clone oublie de mettre à ce marron. Et vous prenez 5 mètres avant de arrêter de pêcher en fait, hein? Admettons tout maintenant que le même affaire arrive à un ministre. Eh bien, non seulement on arrêtera mieux, mais l'admin. Tout le monde se promènerait comme ça, on a trouvé que ça chic comme tout. Il vous faut trouver un ministre à crâne d'abord. Mais ça ne sera ni facile, ça peut. Il a cassé ma terre toute entière comme un boule de fromage. Ouais, mais il n'y a pas qu'un ministre qui soit vu. L'histoire du cinéma. Clara Beau, par exemple. Pas de malheur, ça qu'elle n'y a pas si. Ou belle femme des hauts placieux, hein. Oscar double Gomez. Ou bien ça qui est, genre, là. Hein. Le principal, c'est qu'on a un parvis pas tout costeux. Ça, ça le coûte mieux, mais. Un deuxième, c'est qu'il faut retrouver les bailleux de fond qui consentiront à m'avancer les or pour l'exploitation des bassins en question. Ben, mais c'est pas mieux de miettes, si vous voulez, Comme vous êtes gentil, petite Claire. Malheureusement, des vieux feux coupent en pleine, elle ne fût qu'une petite goutte d'eau de bain à la mer. Une goutte d'eau, c'est que ça frappe. C'est que ça frappe? Mais c'est au moins 500 000 qu'il faut. 500 000 francs? Mais vous ne trouverez jamais personne pour vous arranger de son pareil. Hein? Personne? Ayez mis d'abord, regardez. Mais donne-moi trop mieux, c'est la trompe. Dis même et à personne. Bonjour, Claire. Bonjour, toi. Mais toi, tu serais allé l'hiver, hein? Mais tu sais bien que tu es du moteur que moi. Ah, dis, tout dit, yo-yo est fait pour la billard. T'as remarqué mes boutons de manchette? De l'ordure véritable. Pour moi, la toile de sa fille. Ah, ben merci. T'as une belle façon de remercier les gars qui mettent le train de service, bien. Vous me disiez quand même, il y a ça du bon. Lazare, ne me couillons jamais les gens quand il est question de billard. T'as donc dit 500 000 francs, que soit. Elle te s'apporte. Mais comment ça? Mais vous ne savez ni même de qu'est-ce qu'on parle et vous êtes déjà prêt à... Mais Claire a raison, t'es venu de là, tout est gros. Mais d'autant plus qu'une seigneurie qui part. Bon, elle te répète une question. Quelle est la nature de l'objet? L'objet, c'est une crôle de nez. Une crôle de quai? Elle veut dire qu'il s'agit de trouver des crôles naturels et permanents. Oh, c'est que 5000 francs pour les fières à frisette. C'est déjà mis les pieds, là, hein? On discute pas des pieds. Ça, c'est une ribambelle de bigoudis électriques. Électrique? Ah, ça c'est déjà mieux. Donc, tu dis ça, une série de bigoudis électriques. C'est ça. Rallonge pas de fil. Électrique, tout ça, oui. Bon, naturellement, c'est un depuis la culte, hein? Rallonge pas de fil à un appareil spécial. Tant mieux. Une complication que ça donne toute confiance. Et dis, mais comment est-ce que ça peut rapporter, Souna? Oh, des millions! Des millions? De Johnny Magomeka, dis quand tu dis, mais il y a une part devant tout ça. 10% de bénéfice. Théo, ne me suis pas à quoi, mais décidément, dans une conversation qui me plaît du lac. T'as parlé à Sasa. Sasa? Qu'est-ce que c'est là? Un homme, c'est une femme. Un vrai nom, c'est Aliza Peppermint. Un riche milliardaire américain, comme il d'ailleurs devint brique tripée jaune. Et tu penses qu'elle acceptera de s'intéresser à mon affaire? Ce sera oui, si tu lui demandes. Elle a bien trop peu d'un pied. Es-tu une interprète? Un smé, interprète? On donne ça pas de vous commissaire, là. Ah, mais ils n'ont plus. Mais à dire vrai, c'est toute une histoire. Quand elle a débarqué à Belgique, de ce chef briteux devint le briterie en question. Oui, quand dit chef, c'est une façon de parler de ce tout seul. N'empêche que le grand est en même temps, hein? Et Joe, elle est venue discuter de ses comptes avec le directeur, qui n'a rien compris du tout. Après, elle t'a parlé au contre-mère. Et il dit, il n'a rien compris non plus. Et après, elle m'a parlé à lui. Et il dit, elle n'est pas compris depuis quelques jours. Elle dit au diable moment que t'as l'oeil très vieux. Elle est pour qui, justement? Ah, Père de Claire, car ça, quelle affaire, c'est comme au régiment. C'est tout dit le petit qui traîne. Ouais, et il y a donc? Ah, bah, donc, comme elle nous parle au écho, elle paraît son portier plus malin. Des respondus, yes. Ah,
Justement, c'est ce que voulait que je respondisse. Alors, c'était le même Inès, là, qu'elle a signé le contrat de 6 mois tout de suite. Oui, elle tente comme de Maurice Farcy, que. Et c'est à ce moment-là que tu as compris que tu savais parler l'aigle. Oh, mais non seulement un aigle, oh, mais un flamand, oui, un espagnol, un allemand, et même un italien, et tout ça là, enfin, mais. Soyez sa qu'il flamme, armé par un instituteur national. Pour ce café offert, vous avez que la finition. Ce qui vous va, que vous dira, vous êtes champion. Des adresses, qu'elle a fait aussi bien qu'un amour. Comme un contre, vous devez rejoindre un ricourt. Au lieu de mourir, la bouche au gris, on est peu fort, mais vous dire non. Vous
vous avez fait Dieu. Lazare me vient la mi-temps des sous, ça. Elle m'a dit à couiller ça, là. Qu'elle va signer les yeux frumeux, hein. Ah, vous avez fait Dieu. Elle ménager, tu en as mis si grave que ça. Ah. Ou bien on a un mouet, ou on me sur le restant de vie. D'ailleurs, dans cette sacque, elle est au lieu comme ce jour. Salut, il est gentilleux. Oh, ah, tu as jeune des doubles esprits, un ennemi de ces constances est un nuant. Tu m'as l'air de parler sérieux. Hein? Ah, il faut rentrer après vous, pas tes yeux, c'est le genre. Mais tu as raison. Ayez, comment est-ce que vous avez fait ça? Mais on est sans maison, Gustave, le Gustave, c'est tout là que les yeux me disent du sein. Elle veut dire ça, ça. Qu'est-ce qu'il y a de lui? Ça, Starman? Il prétend qu'il a plein de sacs. Très bien, mais, vous dites, Seigneur, il t'a fait ça. Tu l'as nuque. C'est ça le contre-roi. Mais même pas voir combien tu n'es honteux. Tu pourrais n'y avoir des couteaux, mais n'est pas. Amélie. Mais vous lui donnez de bons conseils, vous. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris, Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il m'a pris, là? Qu'est-ce qu'elle a fait, Amélie? De bien strict, comme d'habitude. Bonjour, ouais. Tu te l'as donné que le temps. Oh, ouais. L'heure de venir dire bonjour, mais à quoi? Après, je peux d'ailleurs être désastre en France. Salut, comment? Hé, Fouquet! Fouquet? Parce qu'il a zigouillé une saquille avec le rasoir, je vais me mettre dans la poche comme complice. Si ça c'est un compromis, c'est un scandale pareil, hein? Nous voyons une fois que c'est audio. C'est juste cure de que là? Elle arrête qu'on ait placé comme témoin. Oui, c'est ça. Elle queue. Mais qu'est-ce qui se passe tout ici à la Philippine? Mais tu comprends rien qu'il a mis ce projet à l'exécution? Ça,
chancelet. De basse aux régions de vaste Miss, elle demande comment tu dois
toujours en place. Amélie, maman Théo. Mais non, que vous n'ameniez tout perdu, tiens.
Ça va mieux que... Il y avait une minute d'attraque, hein?